En 2013, Neymar signe au Barça, véritable star au Brésil de par ses gestes venus d'ailleurs. Il est directement repéré et tente le défi, celui de devenir une référence au niveau mondial. C'est une grande réussite. En formant un nouveau trio légendaire, la MSN, Messi, Suarez, Neymar, il parvient à garnir son armoire à trophées en remportant 8 trophées dont une Ligue des Champions. Alors que tout porte à croire que sa carrière est désormais tracée, il constate qu'être mis en avant dans un effectif comprenant un quatuple ballon d'or, c'est dur. Cette belle histoire prend donc fin en 2017. Dans l'ombre de Messi, il décide de devenir LA star du nouveau club qu'il rejoint, le Paris Saint-Germain. À présent, le joueur le plus cher de l'histoire du football, les attentes sont élevées. Malgré tout, l'objectif est clair, écrire l'histoire. C'est d'abord une réussite, il permet à notre championnat d'être reconnu, attire de nouveaux fans et impressionne par ses performances. Mais le cauchemar commence. 2 ans se défilent et on retient, certes, 5 trophées, mais surtout 2 blessures et 2 éliminations en 8e de finale de la Ligue des Champions. Un véritable échec en 2019, Neymar regrette, et le constat est simple. Sur le papier, le Neymar du Barça l'emporte. J'espère que vous allez bien l'équipage, aujourd'hui vidéo très particulière puisqu'à l'heure même où je vous tourne cette vidéo, Neymar est au centre de l'actualité footballistique. Il empile les unes jour après jour des quotidiens sportifs évoquant son retour en Catalogne. Je me suis dit qu'il serait désormais intéressant de comparer le Neymar du Barça au Neymar du PSG. Et ça, sur le terrain, c'est à l'heure d'aujourd'hui formel comme on a pu voir ces dernières années et avec l'introduction. Sur le papier, le Neymar du Barça est sans aucun doute au-dessus. Maintenant qu'on a parlé, place au concret. Très très rapidement avant de débuter avec les clips, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu. Les amis, je vais vous demander un énorme soutien sur cette vidéo, puisqu'on va se fixer l'objectif des 3000 likes en 1 heure. Je compte vraiment sur vous, merci à tous ceux qui vont contribuer. On est reparti. Quel que soit son choix futur, Neymar, on aura bien retenu une chose de sa part, c'est que ce soit en Ligue 1 ou en Liga, il n'aura jamais eu peur de faire perdre l'âme de certains pères de famille, défenseurs, et pas que, d'ailleurs, c'était très très fort. Tu recrutes un joueur au calibre de Neymar, tu t'attends forcément à ce qu'il soit présent dans les grands rendez-vous comme les Classico, Barça, Real, PSGOM. Ça, pour le coup, il a été des deux côtés.
Chaque joueur dans l'histoire du football a eu ou a sa spécialité. Zidane la roulette, Neymar l'arc-en-ciel ou le sombrero. Et même quand en face c'est pas forcément une équipe du bas de classement de Liga ou de Ligue 1, ça porte ses couronnes et l'humiliation est bien présente. Pour couronner le tout, petite compilation des plus beaux buts du joueur brésilien. Alors voilà, les amis, pour tirer une conclusion de tout ça, et dans la plus grande logique, c'est incomparable. Pourquoi? Puisque Neymar a passé plus de temps en Espagne qu'en France, qu'il a été blessé presque une saison, si on fait le compte. Malgré tout, ça reste un joueur exceptionnel et impressionné que ça soit en Catalogne ou dans la capitale. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo où on a comparé le Neymar du Barça au Neymar du PSG. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi, ciao.